J'ai été écroué, ma culture d'escalier m'a trahi. J'ai fait mon choix, le destin est tracé, j'ai choisi. Mon premier choix était de devenir ingénieur. Mais le deuxième a pris le dessus, je suis devenu gangster. Et je fais le bon choix, je sais pas, je ne veux pas le savoir. Ma famille, mes proches, je ne veux plus décevoir. Je ne veux plus de prison, des matons, du parloir, rien à marre. Mais la partie continue, il me faut du Jean Art. Du Jean Art, mais comment en avoir? En évitant le gyrophare, tard le soir. Muni de ma peau noire est considérée comme une arme blanche, blanche, blanche comme la cam qui tue dans ma cité. Si c'est pour tomber dedans, je préfère l'éviter. Tout ceci, l'école ne me l'a pas appris. Ma culture de Tessie relève au plus haut mon QI. À 17 ans, incarcéré pour une erreur judiciaire. 12 mois ferme et découverte du car cellulaire. Jeune, plein d'ambition et follement amoureux, avec un passé familial plutôt douloureux. Mère, frère, sœur, on rejoint le royaume de Dieu. En manque d'affection, il multiplie ses aventures. Cours de gauche à droite, mais la vie est de plus en plus dure. Le système carcéral lui a appris l'instinct de survie. Alors comme ses co-détenus, aux règles, il se plie. Il aime pas demander, racketter et mettre à l'amende. Mais dans le milieu carcéral, cette vie-là lui demande. Soit tu es victime, mais on te déshabille. On prend ton blouson, tes chaussures, et tu restes en guenille. Soit tu es l'agresseur, toujours à l'affût. Qui crie par la fenêtre, fais voir tes pompes au premier venu. Le système carcéral l'a pris dans ses griffes et veut plus le lâcher. Mais un jour ou l'autre, cette page, il faudra tourner. Bye bye, cher du 2.0.